Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. Encore une aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est tout le monde, je vais comprendre qu'on sait. Moins mal ça.
fais de mieux. Ce lynx de repasser le dernier, il passera après eux autres. J'ai mal positionné mes bonhommes aussi. Putain. Ouch. Rien, tabarnak. T'arrêtes de chialer. C'est quoi ce thème? Ça va, Gwen?
Non, c'est revenu. D'abord, si je pourrais le battre, ce serait mieux, là. Je suis obligé de changer de stratégie. Oh, 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 oh! Putain! C'est là, c'est. Ah, ça pue, ça. Oh, il a baissé! Oh, mon Dieu, il a baissé. C'est la première fois que je le vois baisser. Pas lui! Phew! Multiplie temporairement, non, multiplie rien, tabarnak. Je vais prendre pas de chance, je vais remplir. J'ai le pouvoir sapin blanc pour protéger Nerf, je vais pas protéger. Ça n'a rien de prendre ça tout de suite. Je vais prendre un soin de groupe pareil. Je veux que tout le monde soit au maximum. Bon. Putain, c'est quoi ce... Ouf, ok. J'ai peur, là. J'ai-tu quelque chose pour... Faudrait-je diminuer les attaques, mais là, crime. On dirait qu'il y a rien, lui. J'ai oublié de frapper. Un champ de gravité. Quatre, trois! Non, non, ok. Ok, toi, est-ce que t'as quelque chose qui pourrait... Putain, non. Diminue temporairement la défense magique de l'ennemi, non. Multiplie temporairement par 1.5. Non, cibole. Crash mental.
Oui, c'est ça que je veux. Diminuer l'attaque de tout le monde. Parce que oui, il y a une sorte de magie qui peut nous tuer d'une shot. Et c'est surtout pas ça que je veux. Ça va vite, c'est pas mauvais. Pas bon, mais c'est pas mauvais. Calme-toi! Calme-toi! Tabarnak, c'est dégueulasse, ça! J'ai cru que je l'avais, mais non. Ouf! Ça, d'habitude, là, ça peut fesser jusqu'à 600. Là, je l'ai eu... je l'ai bien maîtrisé, là. Oh! Premier coup en plus! Parapapa! Ta-t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 a
On va changer de monde. Mais Galdov, c'est où déjà? Galdov, c'est-tu pas ici? Non. Ça, c'est Morbun. Ah! Non, mais c'est sûr qu'il est pas là. On va aller dans l'autre monde. On va commencer un nouveau jeu aujourd'hui, un nouveau jeu qui est sorti. Ça plus tard. J'ai bougé quoi dans mes fichiers là, puis ça fait le spawn dessus apparaît pas. Ok, ça traverse direct en bateau. Distorsion du destin. Distorsion du destin. Y a pas d'île, ça ici? Là. Les reliques des dragons ne réagissent pas. Caribou, peut-être devoir retrouver sa forme humaine. Ah, ben là. Je sais pas où y aller pour la trouver, moi. Les reliques des dragons ne réagissent pas. Caribou, peut-être devoir retrouver sa forme humaine. Ah. Ok, moi je retrouve ça comment? Ah, il y a ça aussi. Réagisse pas, blablabla. Thank you.
Vous avez déjà entendu parler des Havres de Gaïa, c'est une île, tu m'as déjà dit ça. Vous et moi, on est amis, parole de Biba. Si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas. Tu m'as déjà tout répondu à mes questions. Tamé. Vous voulez vous rendre sur la terre d'antan? Tu m'as déjà dit ça. J'ai plus de fruits. Important de nous apprendre des erreurs, sinon nous recommencer. Nous devrions nous sauver avant qu'elle se réveille. Je pense que je suis pas dans le bon monde. Changer de monde. Quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Gwen? Spécial. Ouais, descends, toi. Si tu veux, dans 30 minutes, on peut faire du Sherlock Holmes. C'est encore là. Si t'es pas là, c'est pas grave. Je ferai d'autres jeux. Amulet Astral. Paraît pas étrange. Eux embêter lui, eux être deux et lui être un. Calice. L'aider. Arrêtez. N'êtes-vous pas bon compagnon? De quoi on se mêle? Il est pas des nôtres et vous non plus, on lui fera satisfait plus tard. «
Aujourd'hui, je termine un jeu. Hier, j'en ai terminé un. Aujourd'hui, j'en termine un. Merci de m'avoir aidé, vous êtes sacrément courageux. Parole de Biba. Voilà à quoi vous remercier. Parole de Biba, c'est un fruit d'antan qui pousse sur la terre d'antan. Merci. Je ne sais pas si vous aimez, mais le fruit d'antan, c'est bien bon. Parole de Biba. Si vous êtes à court, n'hésitez pas à venir m'en demander d'autres. J'en ai plein et je dois une fière chandelle. Ben, merci. Le sol s'est effondré tout à coup, et puis une odeur étrange s'est dégagée du trou. Si j'en crois à mon expérience, ça veut dire qu'on ferait mieux d'éviter ce coin. Je vous déconseille de descendre. Si vous voulez vous enfoncer dans la forêt, vous devez porter un équipement. Ça m'a déjà tout dit, ça fait 20 heures passées. Allez, on y va. Le monsieur a dit que c'était trop dangereux, fait on n'avance pas dans le jeu. Être humain. Oui, un bonhomme. Cette forêt est morte. Notre île a péri. Nous haïssons la race humaine. Écoutez les plaintes de la planète humaine. Ok. Humain, battre, planète, toi, trou. On frappe avec le néant. Et pour un jeu de Super Nintendo, c'était quand même des beaux... Des belles animations. ...268, tiens-toi. Je suis quelle planète? Il est déjà fatigué, non, ouais.
Et voilà. Changement provoqué par nous quand nous éliminer l'hydre. Nous avoir fait bon choix. Qui peut juger de ce qui est bon ou mauvais? Personne, absolument personne. Caribou, nous devrions y aller. Emblème Gras Dragon. Un coffre. C'est bizarre qu'il y a des coffres qui apparaissent. Une fleur rare qui ne pousse que dans les marais pollués. On va enfin la voir, tout ça parce que l'hydre n'est plus là. Les humains ont détruit l'écosystème qui gardait l'eau pure. C'est pour ça que l'hydre s'est éteinte. Sans plus personne à la tête de la forêt, les nains sont partis aussi. La forêt nous appartient maintenant. Mais eux racontaient quoi? Qu'est-ce que vous regardez? C'est impressionnant de voir que vous avez traversé les marais pollués, mais il n'y a rien ici. Barrez-vous, filez. Non, attends. Tous ces trucs toxiques doivent les avoir affaiblis. On pourrait s'amuser avec eux. C'est une mauvaise idée. On va les massacrer. Ta-da-ta-ta! L'étincelle de vie. Thank you.
Ce jeu-là, je vais le terminer d'ici à dimanche aussi. Je me souviens maintenant, je me tenais bien droit. C'est sûrement grâce à l'éducation de ma grand-mère. Grand-mère, mais oui, j'ai été élevé par ma grand-mère. Elle me demandait comment elle va. Elle doit se faire des sans d'encre. Les sauts de couleur doivent retourner à leur grand maître.
Je dois toutes les faire. Iceberg. Thank you.
Et voilà. Ouais. Ah, une autre fois, non. Bye.
l'inverse.
Qu'est-ce que tu fais, Gwen? Arrête de gratter l'entrejambe. Du premier coup. Poigner les coffres. Ah, c'est une place. Ah! J'ai tourné. Elle est passée droite, j'ai retourné. Et peu court. Oh non, je veux qu'il arrête avant.
Faut pas laisser chance. Bon. J'ai faim, je vais aller manger. Je rentrerai pas dans la nouvelle bâtisse, on va continuer ça demain, mais là, je veux quand même essayer de pogner les coffres avant. Après ça, on va aller terminer un autre, mais je reviens de manger, on va aller finir un jeu. Enfin! Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!